Pennsylvania, et côté qu'effectivement, gros bataille a arrêté, faut me dire non, match a très serré dans Pennsylvania. D'après les derniers chiffres, nous sommes là. C'est pas même mon chiffre, nous, c'est pas même 1%, non, 0,7%. Vous comprenez? J'ai encore causé ça a serré dans Pennsylvania. Mais, l'appli que je dis, c'est 8 octobre. Il y a un avantage, c'est que, non seulement sondage, il y a 0, 0,7%, on va prendre, il compte, on va pas ignorer. Mais tout, il y a des chiffres qui montrent que démocrates, ça qui enregistre pour voter, il y a 7 000 en plus que les républicains comprennent bien. Ça, c'est un chiffre clair. Ça veut dire, lors d'un combat, il y a 7 000 personnes qui, en plus, enregistrent. Mais pas bien, il faut qu'on enregistre pour aller voter. Donc, ce sont des indicateurs qu'on ne peut pas ignorer. Mais 7 000 personnes, 8 octobre ou 5 novembre, n'en prend rien, dit que pas prêter même, mais ce sont des indicateurs. Donc, effectivement, guys, et si on ne joue pas les jeux d'hier là, vous dites que Harris Kamala a tout gagné en Pennsylvanie, ou bien Trump Pennsylvania, but là, ou un problème. Si on a parlé des 0,7%, c'est vraiment challenging. Bataille a fait sur tous les fronts. Et républicains, ils ont fait une dernière bataille là, ils ont la Supreme Court, je dis, ils ont perdu lui. Qui ça a fait la Supreme Court? Ils ont gommé avec un executive order que Biden prend depuis bien longtemps. Pas bien, guys. Son executive order, Biden signé pour comprendre. Vous dites ça comme tête nexa. Exécutif order, qui ça le dit? Bien encourager tout officier dans l'État, bah tout moyen pour, bah tout moyen, toute ressource pour aider tout le monde à aller voter. Pour gagner plus de monde à aller voter. En d'autres termes, c'est un exécutif order, tenez bien, qui visait à bah yon booster avec cause moun kap enregistré pour voter. Mais exécutif order, vous comprenez bien. Exécutif order a passé instruction pour que l'État fédéral, mettez toutes les sources de yo, non, campagne de motivation et de moyens pour permettre que maximum moun al voter. Wapmando, qui ça qui t'a gagné et comme problème dans une pareille démarche? Il t'a rendu difficile pour comprendre que les républicains, des parlementaires, décidaient à la Supreme Court. Combattre bagaille ça. Comprenez bien? Il y a l'encode parce que gon effort qu'a fait pour gagner un pile moun à voter. Parce que l'ordre demandé tout bureau fédéral, quel que soit state koyé, pour faire promotion voter registration et participer. Il va pas parler de ni démocrate ni républicain, non? Tout le monde qui a enregistré. Consiste avec ça la pays. Puis l'expert dit, mais si on bagage la supposée bienvenue. OK? Parce qu'il dit, il a fait face to face. Alors, il dit, si ça vous connaît, les républicains, qui ça vous sentit un problème là? Il n'y a pas d'intérêt, il y a un pile mon à voter. Donc, il est allé dans la Supreme Court, en fait, il est allé dans la Supreme Court. Parce qu'il est allé dans la Supreme déjà, il a perdu, il y a un pile court, il a perdu. Il est allé dans la Supreme Court pour interdire. Exécutif order ça, pour faire face carré avec. Les gens disent, il y a un peu de monde noir, le plus souvent, il y a la rire, comme de remplir là-dedans, il faut avoir un peu de motivation pour y aller voter. Monde disability, tout. OK? Monde qui est à l'étranger, ou là? Donc, c'est la responsabilité de tout leader pour assurer que tout le monde vote. Pour rendre beaucoup plus facile. Non, le public a dit non, pété coquin, il a dit sans interférence. Et que le président Biden, c'est notamment dans Pennsylvania. Sans interférence, c'est motivé, l'a motivé, l'a fait tout le monde à voter, il y a mon illégal, l'a fait à voter. Il y a la Supreme Court, il a perdu. Et ça, vous comprenez. Le gain plus mon voté, l'a difficile pour les républicains gain. Puisque nous ne pouvons pas raconter combien de fois que les démocrates ont toujours pensé à entailler les populaires votes. Si vous garantissez dans l'élection, ça malgré tout ça qu'a dit. Même lorsque Kamala, nous ne pouvons pas souhaiter ça fait, mais même lorsque Kamala a dit, les républicains n'ont pas besoin de prendre populaire vote, non? On peut toujours les démocrates là, y a plus de monde voter pour lui. Mais peut-être c'est ça, c'est un peu triste quelque part. Warman. Mais si vous garantissez que nous sommes capables, bien que nous parlons médium, nous ne pouvons pas l'avenir. Quel que soit l'élection, ça a passé. Mais en ce qui a trait à populaire vote, démocrate la prend. Mais il faut nous d'accord que, il n'y a pas d'objectif à ça. Si vous prenez populaire vote,
Ou pour un vote populaire, la plus pour nous voter. Ou pas arriver président, quel que soit Jean Pédi, Pédi, Pédi net. Ou pas le chauffer, ou dire, oh ben, nous avons populaire vote, ça passe. Il a eu des points populaires voter, ça passe. Donald Trump, tu es bon pouvoir, il fait 4 ans. Donc, et ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, il faut dégager, suivant règle que je vais être là, c'est règle que je vais être là. Et m'a dit, en attendant qu'on change, ou pas qu'on change, c'est difficile, il est presque impossible pour changer, puisque pour changer, on a besoin de tiers dans le Sénat, qui est un peu difficile pour jouer une façon de sénateur. Voter lui. Et vous dites qu'il a frappé quoi au tel, j'y attendais, et c'est en causé, et Vox Populi, ils avaient dit, voix du peuple, toute graine de vote qui a compté, ils n'ont pas d'accord dans causer ça. Ils sont habitués à un système, collège électoral là, qui allait dans l'avantage. Ok? Donc, ils ont perdu la bataille ça, qui vient faire que y a une véritable mobilisation qui a fait, et ils traduisent, attendez bien. Ils traduisent effectivement dans Pennsylvanie. Dans Pennsylvanie, j'en ai un Julia, eh bien, démocrate en matière de ça, les registered voters, comprenez bien, moun qui enregistré pour aller voter, yo devant 8000 points. Cela veut dire quoi? Ou pas qu'il y ait un chiffre ça? Lui veut dire que si tout bagarre était comme ça, c'est vrai que nous pas qu'on ait l'élection mal finie. Lui veut dire au départ, a bien plus démocrate qui remplit condition pour aller voter. Donc, vous comprenez? Bien plus démocrate. Mais la question, est-ce que tout le monde qui enregistré ou si à l'action à voter, c'est deux, est-ce que vous comprenez? Parce que ou qu'il y a un scénario côté que ou bien plus monde qui enregistré pour voter, mais pour une raison pour l'autre, empêche à la caillou. Est-ce que vous comprenez? Pour une raison pour l'autre, empêche à la caillou, il n'y a pas à faire action vote là, ou style perdu. Donc c'est pour une cause seulement pour gagner et avantage dans sa notaire les registres de voteurs, bien que l'avantage là bon, mais il faut les traduire par action que tout le monde sait, qui est enregistré, qui effectivement tout le monde sait passer à l'action et y a voté. Donc, guys, la vérité, c'est que effectivement, Pennsylvanie, nous sommes capables de dire, c'est state que n'importe quel candidat, que ce soit Trump, que ce soit Harris Kamala, perdu luxe pour le perdre. Puisque, nous devons expliquer le bon site là. Les pour pas dire, Pennsylvania, on parle besoin de gagner pour publicité, on a besoin de gagner des states. Puisque, après Pennsylvania qui gagne 19, on a parlé surtout de swing state, yo. Pas gagné qui gagne 19 encore. Après Pennsylvania, nous disons bien pour swing state, yo. Donc, si on m'a dit, les pour pas dire, Pennsylvania, on parle besoin, on parle besoin de remplacer le. Par des swing states, on a dit nos hypothèses, on Kamala qui perd Pennsylvania, à ce moment-là, il peut avoir besoin, soit il prend Georgia, il faut le mettre sous lui, Georgia avec Nevada, ou bien Georgia avec Arizona. Et ce n'est pas n'importe des swing states, non, il prend Arizona avec Nevada. Sous Arizona avec Nevada, il ne peut pas remplacer Pennsylvania. Est-ce que nous avons toutes les difficultés qui gagnent? L'on perdit Pennsylvania. Donc, Pennsylvania, c'est justement peut-être que personne n'a candidat ça ou pas qu'a perdu luxe pour y rater. OK? Donc, guys, la vérité, c'est quoi? C'est que nous avons un match qui serré. Et tout à l'heure, dans le monde qui dit qu'est-ce qu'a gagné l'élection, ou qu'a répondu simple. Et Donald Trump ou bien Harris Kamala. C'est son réponse logique. Comme le coupable, c'est un cap président. Et ça nous a dit qu'on a dit, oh, on a raison. Non, ce n'est pas vrai, guys. Dans le moment où il est là, on n'a pas beaucoup décidé. On n'a pas parlé avec vous le 8 octobre. On n'a pas beaucoup décidé. On n'a pas beaucoup précis. Mais, pas qu'à ignorer qu'effectivement, Harris Kamala a un edge. Yeah. Vaut mieux que ça. Il y a un edge, il y a un avantage, mais qui n'est pas solide. C'est ça. C'est l'offre fait statistique. On a gagné 1-2% dans mes pommes. À n'importe quel moment de la durée. Parce que statistique, la pensée est exacte, je dis nous ça. Ils pensent science exacte, ils sont estimations. On estimation, hein, mais on estimation à un certain moment de la durée. Pour toute raison, ça. Les bons chiffres là, oui, il est capable de swing dans ce temps-là. Mais au final, les élections, ça va le conclure. En plus, le monde a dit, mais ça, on a dit, bah, ça, puisque nous, on était quoi que l'IPAP close. Vous allez bien, l'IPAP close. En ce qui a trait avec le collège électoral. Nous voulons croire que. Nous voulons croire que nous avons un candidat qui a fait 300 collèges électoraux de vote au lieu de 270.
Yet, nous voulons quoi que gagne un candidat qui a fait n'importe 30 collèges électoraux vote en plus. Ça la rigueur, en plus, le monde va dire, mais l'élection n'est pas si close que ça. Mais nous regardons dans le chiffre, on va prendre compte que c'est si close. Ouais. Parce que si on gagne pas 11 000 votes, on gagne pas 7 000 votes. Il close, vous amis, pas. Vous comprenez? L'on gagne pas 7 000 votes, 10 000 votes, il close. Et dans Georgia, bon, nous bien. N'est-ce pas le même des, ouais, les comptes, ouais, vous choisissez, tu vas le compter à la main. Et vous regardez qui ça au café. Sur mon compte de 3 000, peut-être dans le compte, il y a 10 gains. Et m'a parlé du conseil électoral de Georgia. Bien entendu, il y a la justice pour vous. Parce que vous comptez à la main, et c'est sous requête, suivant la loi électorale state, là, qui dit à partir de telle marge de manœuvre, vous avez besoin de compter à la main. C'est compter à la main pour un pile temps. Vraisemblablement, il est clair que pour l'élection, ça, même avec ce qui est passé dernièrement là, nous capa qu'on ait élection, ou bien dit, nous capa qu'on ait résultat élection, dans la même soirée. En plus, le monde était étonné, justement, du fait que l'année dernière, élection finie, pour qu'on ait qui est-ce qui est président. Oui, ça qui est arrivé, nous pas qu'on ait résultat élection dans la même soirée. Parce que, d'après toute expérience, dans l'histoire de l'élection présidentielle, c'est une élection qui est plus close, qui est plus serrée que au pas jamais qu'on ait. Donc, son façon vous dit, et de quel que soit quand on taille, républicains ou démocrates, il faut que nous d'accord que des éventualités, ça, je dis, elle est possible. On trompe président, on Kamala président, c'est effectivement une éventualité que tout individu va voir ici, qui va vivre, t'as supposé, en fait, ça va la supposer étonné, il n'est pas t'as supposé une surprise, ce que il traduit par en réalité sur terrain, hein, qui montrait que match là vraiment sérieux. Quelle théorie pour m'en faire comprendre que Trump est président, la président déjà, l'homme on ne fait, on ne pas qu'à faire. C'est encore quand vous c'est demandé à vous faire, d'ailleurs, il était prouvé que c'était faux. Donald Trump a vraiment mandat perdu. Il y a un monde qui a venu avec théorie et non à pas qu'à président, et c'est faux. Ou encore, femme bab, j'en président. Tout c'est faux. Et j'en ai toujours dit, lui, et soit suivre l'histoire, toute bagaille, son première fois le fait, mais tout pour la Mexique, première fois qu'on femme président. Et nous voulons croire que, l'ingénieur va pas Kamala. Vous avez bien? Mais d'une manière ou d'une autre, à bon première fois, à côté que vous avez dit grand femme, première fois, même j'en ai toujours fait dans l'histoire, première fois en femme président. Jusqu'à présent, dans plusieurs domaines, par exemple ici aux États-Unis, dans l'autre pays, vous avez dit première fois en femme, vous avez fait tel bagage, première fois en homme, fait tel bagage. C'est toujours qu'il y a des barrières qui ont cassé. C'est comme ça l'histoire marche. Des barrières qui ont brisé, des catégories de monde qui n'ont pas jamais arrivé dans un niveau, qui ont dit première fois mon homme, tel bagage, première fois mon femme, tel bagage. Et c'est comme ça, toujours qu'il y a une première fois, pas gain ou déterministe qui dit que ça n'a pas jamais fait. Ça, c'est monde qui croit et dans la théorie conspiratoire qui a prôné l'idée ça. Mais tu vas suivre et j'en monte la marché. Tout bagaille, c'est une première fois.